Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va parler de la sixième étape qui partira de Binche et arrivera à Longwy pour une étape de 220 bornes, la plus longue étape du Tour de France. Le dernier à gagner à Longwy en 2016 était Peter Sagan qui avait son maillot de championnat du monde. Attends, la bonne distance pour Yannick Deschamps. Allez, Peter Sagan. Peter Sagan, il y a des chaussées, mais qui a sorti la roue, redressé sur les pédales. Peter Sagan, trop fort pour la concurrence. Peter Sagan qui va aller s'imposer ici. Allons, oui, la victoire de Peter Sagan avec le retour de Matthews. Le retour de Matthews peut-être un peu trop tardif. Peter Sagan le plus fort. Peter Sagan qui s'impose devant Michael Matthews. Peter Sagan est l'un des favoris pour remporter une nouvelle fois cette étape. Même si le coureur slovaque n'a plus les jambes d'il y a 6 ans, je suis sûr qu'il est capable de faire une belle performance en essayant d'aller remporter cette étape. Il y a un autre concurrent qui est bien plus plausible, Wout van Aert, qui a déjà gagné une étape sur le Tour, mais bien capable aussi d'aller remporter cette étape, même s'il a laissé des plumes sur l'étape des pavés. Et le dernier coureur, Mathieu Van Der Poel, malgré sa discrétion au début de Tour, il est capable aussi d'aller remporter cette étape à Longwy. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.